Cal holds a commercial multi Iowa farm work done. Tato propellers, SBS EFI, and initial products. Il est conçu pour les vols de longue distance. Imaginez, avec ce type d'appareil, on peut faire un vol de l'ordre de 3000 km avec un réservoir de carburant à l'arrière de longue essai de même atteindre plus de distance. Seulement 12 ans, annonçant la performance de son père lors de plusieurs spectacles aériens. Depuis l'âge de 21 ans, ses rêves ont commencé à se manifester. Kyle a obtenu sa licence de pilote privé avec Eric Hansen de Team Rocket en tant qu'instructeur de vol. Oh boy, c'est bien dans un CV et a commencé son voyage à la carrière dans le monde du spectacle aérien. Le tonneau maintenant. Un avion extrêmement intéressant, comme je disais, bien fait pour les longues distances. Et un avion qui a une caractéristique de vol intéressant, c'est qu'avec le bec de canard, ceux qui sont pilotes, ils connaissent un peu l'aérodynamisme. Ce qu'on craint le plus en aviation, c'est ce qu'on appelle le décrochage. Eh bien, le bec de canard décroche avant l'aile principale, ce qui ramène l'avion vers le bas, vers l'avant, et qui le ramène dans des plages de vitesse, évitant le décrochage. Sourire, mesdames et messieurs.